chronique du Parfait Gentleman. Mille et une façons de devenir un garçon merveilleux. Merveilleux. Récemment, je suis tombé sur un courriel où un auditeur m'explique qu'il se sent très légèrement malheureux. Tout ça parce qu'il a perdu son boulot, que sa femme l'a largué comme une vieille chaussette en lui piquant la moitié de son deuxième pilier, en plus de ses économies, et pour couronner le tout, il a démoli sa toute nouvelle voiture qui est encore au leasing. Il me précise dans ce dernier que tous ces événements se sont produits dans le même jour. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une bonne journée de merde, n'est-ce pas ? Du coup, il me demande si je ne pourrais pas lui prodiguer quelques conseils avisés afin qu'il se sente plus heureux, car il en a marre d'être perpétuellement dans les malheurs. Bon, comment dire, vous me connaissez un peu. Je n'ai pas du tout l'âme d'un samaritain et je suis encore moins un humaniste. Mais sa petite histoire m'a touché. Non, je déconne. Il faut savoir que tant qu'ils sont en bonne santé et bien nourris, les animaux sont heureux. Mais ce n'est généralement pas si simple pour les êtres humains. Des chercheurs en bonheur ont découvert que la joie de vivre était génétiquement programmée et que les hauts et les bas de l'existence n'avaient que peu d'impact sur elle. Par exemple, il y a des millionnaires malheureux comme il y a des ouvriers heureux. Oui, bon, je sais, ce n'est pas très crédible. Cependant, rien ne vous empêche d'apprendre à être plus heureux que vous ne l'êtes. Il faut savoir que les gens heureux ont des traits de caractère communs. Ils ne sont pas rongés par la jalousie, la honte, la culpabilité, l'ennui ou la peur. Bien au contraire, ils débordent d'entrain, d'affection, d'enthousiasme et ont tendance à se fixer des objectifs réalistes en se réconfortant devant le feu de la vie. C'est beau, n'est-ce pas ? Alors, personnellement, je trouve ce genre d'individu plein de bons sentiments totalement vomitif. Mais là n'est pas le sujet. Pour être comme eux, rien de plus simple. Il faut savoir que ces derniers se jugent selon leurs propres critères, sans se fier à ceux des autres. Surtout, ils ne passent pas tout leur temps à lorgner dans l'assiette du voisin ou à se demander sans cesse ce qu'ils pourraient bien avoir de plus. Au lieu de vous asseoir dans un coin tous les soirs pour astiquer votre score de l'homme le plus malheureux de l'année, concentrez-vous sur vos points forts et vos talents. Vous savez, ces choses pour lesquelles vous êtes vraiment doué et que vous aimez faire. Et ne me répondez pas qu'être malheureux en fait partie, sinon je vous colle mon poing dans votre gueule de dépressif chronique. Adoptez l'attitude du type heureux, ou comme chantait Laurie, la positive attitude. Oui, bon, oubliez tout de suite cette chanson, ce n'est pas un très bon exemple. Il y a des comportements tout simples qui ont sur le cerveau le pouvoir de produire un sentiment de bonheur, comme saluer un inconnu, oublier une rancune, passer un coup de fil à un vieux pote et lui fixer un rendez-vous pour se taper quelques bibines. Ah, je ne sais pas, encore faire du bénévolat, mater un bon film ou lire un bouquin marrant et j'en passe. Vous voyez, tout compte fait, c'est si simple d'être heureux. Mais même si vous ne l'êtes ou que vous ne l'êtes pas, n'oubliez pas, il faut savoir en toutes circonstances... Élégance conservée.